Bonjour, bonjour les amis. J'espère que tu te portes bien ce matin, mon cher. C'est la super forme ce matin. Vous connaissez la routine matinale? C'est lecture. Mais depuis 2-3 jours, depuis mon retour de Bangui, depuis le 4e anniversaire de l'IEPIMAL, mon cerveau est en ébullition. Le produit qu'a mis entre nos mains, Monsieur Emi Parfait Sim, c'est la magie. Ça va être la sorcellerie. On va te traiter de tous les noms quand tu vas investir dans l'IEPIMAL 2.0. C'est super, c'est extraordinaire. Et hier, nous avons eu une rencontre avec quelques grands leaders au Gabon, les leaders de l'IEPIMAL, mais également les leaders politiques, les leaders religieux, des hommes d'affaires, des directeurs généraux, des banquiers. Nous avions vraiment de tout. Waouh, c'était extraordinaire. Laissez-moi reprendre un peu. Waouh, c'était super. Waouh. Et vraiment, le mot qui remonte beaucoup, c'est soyez curieux. Soyez curieux. Parce que grâce à la curiosité de savoir c'est quoi ce produit l'IEPIMAL, c'est quoi les crypto-monnaies, j'ai pu investir. Parce que j'ai été curieux, parce que je suis allé chercher dans les livres quelles étaient les stratégies adoptées par les hommes les plus riches du monde, les hommes qui prospèrent. Quelle était leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils mettaient en place? Quelle était leur mentalité, leur mindset, leur façon de faire, leur façon de réfléchir? Quand j'ai été curieux et que j'ai appris tout ce qu'ils faisaient, j'ai simplement copié et ça marche. Grâce à ça, j'ai pu licencier mon patron, j'ai pu prendre mon envol et mes finances s'en portent beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, je peux épargner, pas l'épargne que la majorité des employés font. Hein. Aujourd'hui, tu épargnes, dès que tu as un problème, tu vas toucher et après ton épargne s'épuise et tu recommences encore un perpétuel recommencement. Non, c'est pas cette épargne-là. J'épargne aujourd'hui de manière conséquente. J'arrive à faire des projets immobiliers, des projets d'ouverture d'entreprise. Et en plus, je vis. Je ne survis pas, je vis. Aujourd'hui, je parcours le monde. Je rentre dans des hôtels dans lesquels je n'aurais jamais espéré rentrer lorsque j'étais employé. Waouh! Je vous invite aujourd'hui à être curieux. C'est la consigne. Et je pense que vous allez désormais souvent m'entendre dire ce mot. Soyez curieux. Cette petite phrase, soyez curieux. Waouh, c'était Lionel Z et je te donne encore rendez-vous au sommet.